Bonjour, aujourd'hui sur Mécanique TV, je vais vous montrer comment nettoyer et tester un papillon. Une partie papillon. Donc pour ça, sur une Polo, il faudra enlever déjà le cache. Bon, sur celui-là, il est déjà démonté. Donc voilà. Le boîtier papillon, il se trouve ici. Donc il est fixé par 4 écrous. 1, 2, 3, 4 par des clés Allen, 3 et 4, voilà. Donc on va les démonter et après le nettoyer et après le tester. Voilà, bon là ça y est, je l'ai nettoyé. C'était un peu crade mais ça allait. L'essentiel c'est de bien nettoyer sur le côté intérieur, au niveau du clapet, autour du clapet. Voilà. Là c'est ok. Donc pour ça maintenant on va le tester. Voilà la cosse. Il nous faut un multimètre. Direction ohms. Comme indiqué sur le revue. Pour tester cela, c'est pas évident. Voilà, pour celui-ci c'est ok parce qu'il doit être entre 1 et 5 ohms. On est à 3,8 ohms. Donc, ce qui signifie que sa valeur est bonne. Que ce boîtier papillon est bon. Donc, on va le remettre. Déjà, on élimine la panne. On élimine la panne du boîtier papillon. Il nous reste la pédale d'accélérateur. Voilà, déjà on a éliminé le panne et on a diagnostiqué le boîtier papillon. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur Mécanique TV.